Vous êtes sur RTL. Marc Lavoine, vous ne savez peut-être pas, parce que je sais que vous allez faire The Voice, vous allez être coach dans The Voice. Oui. C'est donc un de vos confrères de TF1 que vous avez. Très bien, bonjour. Bonjour. Vous allez danser. Marc, cache un peu plus ta joie. Parce qu'il y a le beau et la bête. Alors c'est un bon duo, là, on forme un bon duo. Hein. Elle a les yeux revolver. Oh merde. Elle a le regard qui tue. Oh, je te veux pas dans mon équipe. Elle a tiré la première. Viens, Marc, viens, touche-moi. Elle a le regard qui tue. Il est fou, il est un peu seul sur Laurent, passez-moi la carabine. Là. Ah, vous ne connaissez pas Yoann Rioux encore, Marc? Non, non, mais je vois que le yo-yo a quitté la ficelle. Ça démarre bien. Sophie, vous le connaissez, vous, Yoann Rioux? Oui, moi, je ne m'en suis pas remise. Je l'ai vu une fois, mais il m'a tellement saoulée que je ne m'en suis pas remise. Mais ta danseuse, elle s'est fait internet déjà au bout d'une semaine ou pas? Parce que 6 heures avec toi tous les jours, c'est pas possible. On s'entend super bien. Comment elle s'appelle, votre danseuse? Emmanuel Berne. Ah oui? Ah, dis donc, il est polyvalent. C'est la sœur de Stéphane. Il est vraiment partout. Hein. Alors, tu danses sous une véranda à Kenan, comment ça se passe? Et Sophie, quelle est ton estimation pour Yoann? Elle arrête pas de me regarder de haut en bas. Ah bon? C'est vrai, vous arrêtez pas de me regarder. Elle estime, de haut en bas? Ça va pas, non, pas du tout. Genre, il va être éliminé quand, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Non, non, il va. Ah, moi, à combien je pense il que va le public va l'adorer, donc ah, le public gentil. Va le soutenir. Mais Sophie, vous devriez le faire, parce que je sais que vous avez été contactée 150 fois. Je suis sûr que vous avez le groove, vous avez quelque chose dans les hanches et tout, là. Vous avez un coup de rein, là. Et ça s'appelle de la peau d'orange. 3, 4, 5. C'est vrai. Je répète un peu ma Corée. Mais non, mais je suis sûr. Je t'emmerde. Ah, pour une je fois, c'est pas moi. Je reconnais que j'ai eu un zeste déplacé, pardon. Marcella Yacoub, je vous rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et que si vous êtes ici, c'est pour étudier le cas Yoann Rioux et nous donner votre analyse régulièrement. Laurent, sur ce vous cas. Trompez. Elle est chercheuse au CRS, astuce dégradée. Marcella. Non, mais cet homme, il est je sais pas, c'est une sorte de psychose, non? Yoann Rioux, une psychose qui arrive à s'adapter. C'est comme les gens qui sont en fauteuil roulant. Oui. Et oui, que la société leur donne une place quand même, même s'ils ont un fauteuil roulant. Mais oui, c'est exactement ça. Vous voulez dire qu'il est dans les quotas des grosses têtes, c'est ça? Non, c'est ça, comme si la psychose pouvait avoir droit de cité. Ah, enfin. C'est vrai. Mais avant lui, je comprenais pas l'expression « toi, t'as été fini à la pisse ». Non, ça c'est pas gentil parce que Yoann est un garçon charmant qui ne sent pas. Hein, Marc, vous pouvez le confirmer. Je suis dépassé. Là, j'avoue que. Mais là, on commence l'émission ou pas? Marc, tu peux éviter de. Mais Yoann, je ne comprends pas comment vous avez accepté d'aller danser là-bas. Je ne comprends pas. Bon, de rouler, non, c'est magnifique. Mais vous êtes nu, vous dansez nu un peu, non? Ah voilà. Non, non, non. On m'a conseillé vraiment de rester habillé. En plus, on a des costumes sur mesure. Ça va être énorme. Ah oui, ça, forcément.